Nous allons maintenant découvrir le travail de ton camarade. Il a trié des mots dans chacune des boîtes. Nous allons les faire sortir ensemble. Et tu vas me dire si il a fait des erreurs et pourquoi il a fait des erreurs. Et quelles sont les erreurs qu'il a faites. Together, we'll discover how your friend has sorted out his words. You look at his work and tell me if he has done it properly. If there are some mistakes, you'll have to tell me the mistakes he made and why it's a mistake. So let's discover his work. Dans la boîte, des mots qui se terminent par I, voilà ce que ton camarade a fait. Alors, dans la boîte qui se termine par I, il a mis ski, radis, chat, pain, fourmi et shampoing. Regardons encore ce que notre camarade a rangé dans la boîte des mots se terminant par I. This is your friend's work. He has arranged words finishing with the sound I. And this is what he placed in his box. Word finishing by the sound I. Ski, radis, chat, pain, fourmi, shampoing. What do you think about his work? Que penses-tu de son travail? Est-ce que son travail est correct? Est-ce qu'il a fait des erreurs? Je te laisse réfléchir. Tu me donneras ta réponse en m'envoyant une explication sur mon WhatsApp. Écoute encore le travail de ton camarade. Les mots se terminant par le son I. Ski, radis, chat, pain, fourmi, shampoing. Est-ce que ton camarade a fait des erreurs? Quelles sont les erreurs que tu penses que ton camarade a fait? Envoie-moi ta réponse par WhatsApp et explique-moi pourquoi tu penses que ce sont des erreurs. Now, let's check his work for the second box where he has to place words finishing with the sound un. Regardons son travail de tri pour les mots se terminant par le son un. Voici ce qu'il a placé. Main, requin, sapin, carotte, vache, bateau. Let's see what your friends placed for in the box with the words finishing with the sound un. He placed the words main, requin, sapin, carotte, vache, bateau. Alors,
réfléchis et dis-moi si son travail est correct ou s'il a fait des erreurs. S'il a fait des erreurs, dis-moi les erreurs qui ont été faites et pourquoi ce sont des erreurs. Envoie-moi ta réponse sur mon WhatsApp. Is your friend's work correct? Has he made some mistakes? If yes, tell me the mistakes he has made and tell me and explain to me why those are mistakes. Send your explanation to my WhatsApp. Alors encore une fois, je te redis les mots afin que tu puisses bien analyser la réponse, le travail de ton camarade. Dans la boîte des mots se terminant par le son « i », ton camarade a placé les mots suivants. Se termine par « i », « ski », « radis », « chat », « pain », fourmi, shampoing. Qu'en penses-tu? Dans la boîte, des mots se terminant par le son 1, ton camarade a rangé les mots suivants. Main, requin, sapin, carotte, vache, bateau. Qu'en penses-tu? Envoie ta réponse en expliquant bien pourquoi ce sont des erreurs.